Selena Gomez n'avait absolument pas conscience de ce qu'impliquait son engagement avec Disney lorsqu'elle a obtenu son premier rôle principal dans Les Sorciers de Oz avec le recul. La chanteuse et actrice de 29 ans comprend désormais qu'elle avait laissé le contrôle de sa vie aux gens du divertissement sans savoir ce qu'elle faisait. Désormais libre de ses mouvements, Selena Gomez a décidé de mettre un peu de côté sa carrière musicale pour se concentrer sur la comédie. Ailleurs avec plaisir qu'elle retourne sur le petit écran avec une nouvelle série lue intitulée Early Murders in the Je dirais que le niveau de sophistication de ce qu'on aime à présente est la première raison pour laquelle j'y ai voulu le faire. C'est vraiment bon d'être de retour à la télé et aussi d'avoir le rôle d'un personnage qui a le même âge que moi, ce qui alors je suis très heureuse de le faire, a expliqué Selena Gomez lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté News. Dans Early Murders in the Building, Selena Gomez donne la réplique à Martin Short et Steve Martin, leurs personnages formant une équipe plutôt inattendue afin de résoudre un mystérieux meurtre survenu dans l'immeuble new-yorkais. Les trois premiers épisodes de la série seront disponibles en France pour les abonnés Disney Star dès le 31 décembre.